Et Tal White, un grand blanc. Le Charles Hall, hein, qu'il avait décrit aux années 60, je crois, c'est plus 70, chez les militaires. Et les Hurmas, c'est le nom de guerrier félin, comme de tête de félin, quoi. Extraterrestre, voilà. Bon, déjà, je vais vous relire ça. Les races extraterrestres, alors c'est pas très long, mais c'est toujours très intéressant. David Guetta. Alors, je vais vous lire. Les Hurmas, c'est les Tile White, c'est ici et là. Et après, il y a encore une vidéo sur les Andromédiens, si je me trompe pas, et les Pléadiens. À mon avis, ça sera la dernière. Je crois que c'est celle-là parce que là, c'est l'avant-dernière. Après, il n'y a plus. Ouais, donc la prochaine fois, ça sera les Pléadiens et les Andromédiens pour finir. Voilà. Allez, je clique les livres qui sont derrière, évidemment. Ça va pas être très long. Après, je sais même pas si dans les étoiles, les Hurmas, je sais même pas si j'ai pas regardé. Je sais pas, j'ai pas vu Tile White, peut-être qu'ils sont dedans, je sais pas. Je suis pas sûr. Bon, sinon, c'est pas grave, je remettrai dans les étoiles comme ça à la fin. Plus celui-là, voilà. Et ça sera déjà pas mal. Les races extraterrestres. Alors, résumé. Vid Gita est un passionné de l'univers et des mystères qui l'entourent. Depuis son plus jeune âge, il s'intéresse aux phénomènes inexpliqués et aux témoignages de rencontres extraterrestres. Auteur de plusieurs ouvrages, il est reconnu pour son approche rigoureuse, sa capacité à rendre accessible au grand public des sujets complexes et souvent controversés. Son travail mêle habilement enquête de terrain, analyse scientifique et récits captivants, offrant ainsi à ses lecteurs une vision à la fois fascinante et éclairée des races extraterrestres. Dans les races extraterrestres, Vid Gita nous fait part de ses découvertes et de ses réflexions, nous invitant à repousser les frontières de notre compréhension et envisager de nouvelles possibilités dans l'immensité de l'univers. Un voyage fascinant aux confins de l'univers et de l'inconnu. Depuis des décennies, les récits de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs intriguent, effraient et fascinent l'humanité. Les races extraterrestres vous invitent à plonger au cœur de ces témoignages troublants en explorant les différentes races exogènes les plus fréquemment mentionnées par les témoins. Rencontrez les mystérieux réticuliens, plus connus sous le nom de Petit Gris, dont l'apparence et les intentions continuent de nourrir de nombreux débats. Découvrez les draco-reptiliens, ces entités à l'allure effrayante, souvent décrites comme manipulatrices et belliqueuses. Faites connaissance avec les énigmatiques vénusiens, des êtres lumineux venus de la planète Vénus, décrits comme bienveillants et spirituellement évolués. Ce livre vous guidera également à travers les récits relatant des mantes, des créatures insectoïdes dont les comportements et les motivations restent un mystère pour les chercheurs et les ufologues. Ce livre est une plongée inédite dans l'univers des extraterrestres à travers une analyse rigoureuse des témoignages et de recherches approfondies. Cet ouvrage offre un panorama fascinant des différentes races qui peupleraient notre cosmos. Préparez-vous à une exploration captivante des confins de l'univers et des mystères qui nous entourent. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Ce livre tente de répondre à ces questions en nous invitant à ouvrir notre esprit à l'inconnu. Un guide spirituel pour ceux qui s'intéressent aux mystères de l'univers et aux possibles rencontres du troisième type. Au moment où j'ai regardé, si tu enlèves le générique au début, hein, au moment où j'ai regardé la vidéo, parce qu'il y a toujours 30 secondes, plus 33 secondes de plus avec le générique, hein, je suis esprit, ça faisait 3033, hein, pile poil. Hein. Bon, bref. Voilà, souvent, c'est bon, ça pas de hasard, je pense, par moment. Voilà, c'est lui. Et ce soir, on va retrouver sur YouTube. Alors là, je vais vous lire les Tile White, page 73. Les Tile White. Allez, c'est parti. C'est pas très long, mais c'est pas grave, même s'il y a qu'un quart d'heure ou 20 minutes. C'est toujours ça de prix. Les Tile White sont une race exogène mystérieuse, très rarement mentionnée dans les récits ufologiques. Ces êtres, caractérisés par leur grande taille et leur apparence distincte, sont réputés pour leur intelligence avancée
et leur comportement souvent réservé et distant. Originaires d'un système stellaire ou éloigné, les Tile White ont été rapportés. Enfin, moi, j'ai déjà Charles Hall dans la tête, donc. Principalement dans des témoignages provenant des États-Unis, notamment autour des bases militaires. Les Tile White mesurent entre 2 et 3 mètres de haut. Avec leur apparence éthérée, une stature élancée et des membres longs et fins, leur apparence est souvent décrite comme fragile mais gracile. Leur peau est d'un blanc éclatant, presque translucide et semble délicate. Leur trait faciaux est angulaire et fin, avec de grands yeux souvent décrits comme bleu clair ou gris pâle, qui expriment une profonde intelligence et parfois une certaine froideur. Bah après, ça dépend, voilà, je sais pas sur quel pied danser, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des races, il y en a qui sont négatives, il y en a qui sont très négatives, il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont positives, très positives, alors je sais pas, hein, c'est assez curieux, mais... Les Tile White ont une apparence éthérée avec des cheveux blancs ou argentés. Ils portent généralement des vêtements moulants et couleur blanche, qui semblent être faits d'un matériau inconnu et technologiquement avancé. Les témoignages de rencontres avec les Tile White proviennent de diverses sources. Charles Hall, l'un des récits les plus détaillés et célèbres concernant les Tile White, provient de Charles Hall, un ancien météorologiste voilà, de US Air Force, ah, c'est ça, c'est les années 60, qui affirme avoir interagi avec ses aides pendant son service dans les années 60. J'avais 60-70, donc. À la base de Nellis, dans le Nevada. Bah, Nevada, etc., zone 51. Bon. Hall décrit les Tile White comme des êtres très intelligents mais réservés, souvent méfiants envers les humains. Il raconte comment ils utilisaient les installations militaires pour réparer leurs vaisseaux et mener des opérations discrètes. Alors, j'essaie de remettre Charles Hall. Description de ce monsieur, je ne sais même pas s'il est encore vivant d'ailleurs, quand il les a rencontrés. Hein. Rachel, Nevada, des habitants de Rachel, une petite ville près de la zone 51, ont également rapporté des observations de Tile White. Ces récits incluent des descriptions de grands êtres blancs se déplaçant rapidement et silencieusement dans le désert, souvent à proximité de véhicules ou de lumières étranges. Les intentions des Tile White, les grands blancs, tels que déduites des témoignages, sont variés et souvent ambigus. Ils semblent principalement intéressés par l'observation et l'étude de la Terre et de ses habitants. Ils coopèrent parfois avec des entités militaires ou gouvernementales pour des échanges technologiques ou des recherches conjointes. Les Tile White montrent une forte préoccupation par la sécurité de leur propre espèce. Ils évitent des confrontations directes et préfèrent des interactions discrètes, évitant ainsi de perturber les humains ou d'attirer l'attention. Certains témoignages suggèrent que les Tile White sont engagés dans des missions d'exploration interstellaire et utilisent la Terre comme une base temporaire pour réparer et réapprovisionner leurs vaisseaux. Leur comportement reflète leur nature réservée et méthodique. Ils sont perçus comme intelligents, distants et méthodiques dans leur action. Ils interagissent avec les humains avec prudence et montrent peu d'émotion. C'est pour ça que je vous dis... Moi, pour moi, les Tile White, ils sont neutres, parce qu'ils ont quand même une certaine froideur, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc, ils ont l'air d'être bons, mais en même temps, je pense qu'il faut pas trop les titiller, hein, je pense, les emmerder, on va dire. Hein. Je pense, c'est mon ressenti que j'ai, hein, par rapport aux Tile White, après je peux me gourer, j'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'ils ont... Ouais, je sais pas, je suis entre les deux. Ils interagissent avec des humains avec prudence et montrent peu d'émotion. Leur comportement est souvent décrit comme détaché mais non hostile. Bon, ça n'a pas l'air violent. Après, les Tile White semblent opérer selon une hiérarchie stricte, avec des rôles clairement définis. Les interactions avec les humains sont généralement menées par des individus de rang supérieur, tandis que les autres membres de leur espèce restent en arrière-plan. Oui, déjà. La technologie des Tile White est extrêmement avancée et axée sur des principes de durabilité et de haute efficacité. Ils utilisent des technologies avancées de camouflage et de défense pour se protéger et éviter d'être détectés. Leurs vêtements et vaisseaux sont équipés de dispositifs qui peuvent rendre leur présence presque invisible aux yeux humains. Bon, après, c'est toujours pareil, description. Les Tile White, ouais. D'ailleurs, je ne savais même plus qu'ils avaient des cheveux. C'est curieux, mais ça n'est plus. Voilà, description, c'est toujours pareil, c'est une description. Alors, j'essaie de rechercher dans le livre que j'ai derrière. Alors, c'est comme il dit des races extraterrestres. Je suis pas sûr que dans peut-être l'11 étoiles, mais je sais plus. Il y en a tellement. Si je trouve pas tout, c'est pas grave. Peut-être qu'ils sont dedans, je sais plus. Et tu vois, je regarde. Grand blanc, entre 2 mètres et 3 mètres, imaginez. Moi, je suis 1m90. C'est énorme. Déjà, 1m90, c'est une bonne taille, hein, quand même. Entre 2 et 3 mètres, c'est un truc de fou. Quoi. Après, c'est toujours pareil, la description des dessins, moi, je suis toujours un petit peu... Bon. Mais grand blanc, quoi. Presque, pratiquement translucide, hein, c'est...
Allez, je pense que. Alors, je sais même plus quelle page que c'est pour les Urmas. Alors, les Urmas, c'est une sorte de type félin. Page 109. Ouais. Félin. Allez, c'est parti. Les Urmas. J'espère que la lumière elle est bonne, parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Pardon, je suis pas sûr. Excusez-moi. Les Urmas, également connus sous le nom de guerriers félins extraterrestres, sont une race avancée originaire du système stellaire Vega. Ces êtres ressemblant à des félins sont souvent comparés aux lions ou aux tigres, mais avec une intelligence supérieure et une grande spiritualité. Ils sont reconnus pour leur nature guerrière, leur spiritualité élevée et leur technologie avancée, j'imagine. Alors, les Urmas, également connus sous le nom de guerriers félins extraterrestres, hein. Bah, faut imaginer un chat, des chats, des félins, je sais pas, un lynx, ce que tu veux, un puma, je sais rien, mais une tête. Sauf qu'ils ont deux jambes et puis deux bras. Bon, bah, faut imaginer des trucs comme ça, hein, je sais pas comment dire ça, mais bon. Sont une race avancée originaire du système stellaire Vega. Ces êtres ressemblant à des félins sont souvent comparés aux lions ou aux tigres. Ouais, voilà. J'avoue autre chose, mais bon, de toute façon, mais avec une intelligence supérieure et une grande spiritualité. Ils sont reconnus pour leur nature guerrière, leur spiritualité élevée, leur technologie avancée. Pour moi, les tigres, je préfère les tigres, pour moi, c'est les plus beaux. Après, les lions, c'est les rois, c'est d'accord. Je te parle d'ici, hein, c'est pour changer un peu de truc, de registre. Et les plus beaux, on dit toujours, c'est les tigres de Bengale, ce qui est faux. Pour moi, c'est les Sibérie. Ils sont plus beaux et plus gros. On dit toujours, c'est les tigres de Bengale. Pour moi, les tigres de Sibérie, ils sont plus beaux. Et ils sont encore plus gros, de Sibérie. Et les tigres blancs, ils sont magnifiques aussi. D'ailleurs, j'ai un portrait là-bas en 3D, les tigres blancs qui sont magnifiques. Mais bon, je parle dans un truc encore une direction un peu différente, mais c'est pas grave. C'est une race extraterrestre avancée et dominante, sont décrites comme étant originaire du système stellaire Vega. Ces êtres félins, comparables à des lions ou des tigres debout, ben ouais, c'est ce que j'ai à dire, hein, avec deux jambes, possèdent une grande intelligence, une spiritualité développée et une technologie très avancée. Leur présence et leur influence se manifestent. Les Urmas sont une race extraterrestre avancée et dominante, sont décrites comme étant originaires du système stellaire Vega, ces êtres félins, comparables à des lions ou des tigres debout, hein, ça fait trois fois qu'il dit quand même, trois fois, possèdent une grande intelligence, une spiritualité développée et une technologie très avancée. Leur présence et leur influence se manifestent dans de nombreuses colonies à travers la galaxie One, notamment sur les planètes de la Lyre et d'Avalon. Où ils coexistent pacifiquement avec les Lyriens. Les Urmas, alors, ressemblent à des lions ou des tigres bipèdes. Voilà, sur deux pattes, enfin sur deux jambes. Ils ont une stature imposante, une peau couverte de poils et des traits félins prononcés, y compris une queue et des griffes. Truc de fou, hein. Faut imaginer un tigre. Après, je sais pas la taille, ils disent pas, peut-être c'est une taille d'un homme, je sais pas, plus ou moins. Truc de fou, quoi. Leur apparence est souvent ornée de manière exagérée, avec des vêtements riches et des armures dorées. Ils sont décrits comme très spirituels et empathiques. Bien qu'ils soient des guerriers redoutables, ils sont également très aimants et protecteurs envers d'autres races. Leur langage est principalement télépathique, j'imagine. Comme souvent, la plupart des cas, les races extraterrestres, c'est télépathique. Ça, je l'ai dit une maths fois, c'est un truc de fou, quoi. Bien qu'ils puissent également parler de manière audible, ils utilisent souvent des ronronnements. Truc de fou, hein. Faut imaginer un chat, pour exprimer des émotions positives et sont connus pour leur grande capacité d'empathie. Un truc de fou. Les témoignages concernant les Urmas incluent des interactions avec d'autres races extraterrestres et des récits de contact avec des humains. Contact avec les Lyriens. Les Urmas coexistent pacifiquement avec les Lyriens, partageant des valeurs spirituelles similaires et collaborant souvent sur des projets interstellaires. Ils sont membres de la Fédération des Planètes Unies, une organisation galactique dédiée à la paix et à la coopération. Témoignages humains. Bien que moins fréquents, certains contactés humains rapportent des interactions avec des Urmas, décrivant des expériences de guérison et des échanges spirituels profonds. Ils cherchent à élever la conscience des races avec lesquelles ils interagissent, promouvant des valeurs d'amour universel et d'unité. Les Urmas protègent activement leurs alliés et s'engagent dans des actions pour prévenir les conflits interstellaires. Leur force militaire est redoutée même par les races reptiliennes dominantes comme les Draco. Les vaisseaux des Urmas sont sophistiqués, souvent décrits comme ayant une forme en U, longue et solide, avec une capacité de distorsion totale pour les voyages interstellaires. J'ai l'impression d'être dans Star Trek ou Star Wars, hein, c'est toujours pareil. Hein, ils possèdent des dispositifs de guérison avancés capables de traiter rapidement des maladies et des blessures, souvent utilisés dans des contextes spirituels et médicaux. Je vais vous montrer
Alors c'est pareil, tête, pour moi c'est pas vraiment ça, c'est plus la tête, les yeux, je veux dire, on dirait un humain simplement avec des cheveux. Non, c'est pas vraiment comme ça que je vois, mais bon après. La description, je trouve qu'elle est pas. Non, pour moi, c'est large et plus nez. Il est plus large, le nez est plus large. Comme un peu le type de Avatar. Hein, ouais. Ben voilà, les tigres, si vous regardez les tigres et le film Avatar, regardez le nez, c'est à peu près pareil. Hein, c'est des gros nez, large. C'est pas, moi, je vois pas comme ça, avec les yeux, je vois pas comme ça non plus, c'est plus de type félin. Et au niveau des oreilles, les cheveux, il y a un truc qui va pas. Enfin, bon, après, c'est mon ressenti, mais c'est pas comme ça que j'ai vu dans des autres trucs. Comme sur le site Éveil Homme, là, ou sur YouTube, vous pouvez retrouver Éveil Homme, si je me trompe pas. Et Urma. Alors, et je vais essayer de retrouver, si je peux trouver dans le livre Encyclopédie des races extraterrestres derrière, je vais essayer de retrouver ça, sinon. Et après, il ne restera plus que. Bah, il n'y a plus grand chose. Il ne restera plus que les Andromédiens, les Pléiadiens et les Andromédiens. Voilà. Et après, terminé. Alors là, c'est l'avant-dernière vidéo et après, terminé. Ce qui est déjà pas mal. Bon, en même temps, il n'y a que 115 pages. C'est pas énorme. Hein. Il y a conclusion aussi. Je peux toujours peut-être lire la conclusion pour finir. Quand j'aurai fini la dernière vidéo, ce qui sera encore beaucoup plus long. Et d'ailleurs, il parle même de Jean-Pierre Petit, avec son modèle cosmologique Janus, etc. Oui, c'est un ancien directeur, c'est l'ancien directeur du CNRS, pendant 20 ans, je pense, je sais plus. Qui a même rencontré des gris, Jean-Pierre Petit, ouais. Univers gemellaire, etc. Oui, bon, à la limite, je pourrais finir par la conclusion quand j'aurai fait la dernière vidéo. Ça sera beaucoup plus long. Allez. Alors. Je vais regarder les Urmains pour voir s'ils sont dedans et les Tile White, les grands blancs. Voici là. On va en après. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà, j'ai trouvé. Les grands blancs. Bon, je mettrai celui-là simplement. Et les Urmains, ils sont dedans aussi. Ouais, donc, dans ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Hein. Je pense que je vais continuer à faire le tour. Encyclopédie des races extraterrestres de Maïsta Pasto. Voilà, les grands blancs. Alors là, ils ont fait vraiment comme un image. Ils sont plus emmerdés. L'image sur le coup, là. Et voilà, c'est ça. Les grands blancs, soit type humanoïde. Alors là, ils disaient entre les races extraterrestres, vite guitare entre 2 mètres et 3 mètres. Là, ils disent mesure plus de 2 mètres, en moyenne 2 mètres 70. Vous voyez, c'est assez bon. Leur présence, etc. Dorion. C'est pas, c'est marrant, hein, c'est pas écrit. Il y a des trucs. C'est quand même différent, c'est pour ça que ça me fait toujours un petit peu. Les grands blancs, etc. Charles James Hall, bah ça c'est sûr, ancien militaire, voilà. En 1954. Bah là sur le coup je préfère les races extraterrestres, je trouve que c'est mieux décrit, parce que là franchement il n'y a pas tellement de. C'est moins emmerdé, je veux dire, pour. Enfin, pour qu'il paraisse comme ça. Paraître comme ça, je veux dire. Bon, allez. 173, si je me trompe pas. Il y a Télosien, Antarcticain. Peut-être que je reviendrai sur ce livre-là. Les Zagartiens. Je reviendrai peut-être sur ce livre-là. Je suis en train de demander. Alors, les Urmains. Je vais vous le montrer, encore une fois. Les Urmains sont originaires des planètes du système stellaire Vega, la Lyre et d'Avalon. Pour l'instant, c'est ça. À 25,05 années-lumière de la Terre. Une grande colonie dans le système Sirius, des félins bipèdes. Bon, là, ça, pour moi, c'est oui. Alors là, par contre, ils ont la taille. Dans l'autre, c'est pas marqué. Voilà, c'est ce qui est marqué entre lion, tigre et humain. Bon, là, par contre, je trouve que. Là, c'est marrant, hein, ça dépend des livres. Hein, on peut jamais savoir sur quel pied danser. Ça, c'est une mesure entre 3 et 4 mètres, là, ils disent. Hein. Enfin, qui dit. Encore plus grand. Bah, par contre, moi, je voyais plus la taille d'un humain. Bon. Les Urmains sont pour les races félines. Ce que les alpha draconiens sont pour les races reptiliennes, bah, c'est-à-dire la race féline suprême. Bon, voilà, vous voyez. Bon, voilà, c'est actuellement membre de la Fédération Galactique, là, ça rejoint l'autre livre. Bon, ouais. Leur vaisseau spatial ressemble à un U allongé, bah, c'est pareil, ouais, exactement. Et appelé avec une capacité de distorsion totale supraluminique, ils sont aussi des starcides sur Terre. Bon, vous voyez là, d'accord. Par contre, celui d'avant, je
trouve que, je sais pas, les Tile White, ça correspond pas vraiment avec les autres races. Il y a des trucs, oui, mais après. Mais bon. Voilà. Là, ils disent bien la taille entre 3 et 4 mètres. Alors que dans l'autre livre, les races extraterrestres, de Vinkiter, c'est pas marqué. Alors, juste avant, les autres races étaient entre 2 et 3 mètres. Les Tile White, et là, ici, c'est 2 mètres 70. Bon, ça revient pareil, on va dire que. Oui, c'est toujours une petite différence de trucs. Puis là, les têtes, c'est pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est. Ouais, ils mettent un tigre derrière, d'accord. Bon. Un lion, quoi. Mais bon. Je vais montrer après la fin. Peut-être j'en reviendrai sur ce livre-là parce qu'il y a tellement de trucs, les procyoniens ici. Oh, je me demande si je vais pas revenir sur ce livre-là. Parce qu'il y a tellement de trucs à dire aussi. Voilà, hein, regardez. Des Urmas, etc. Voilà, allez, bah comme dans l'autre, c'est marqué ça, ressemble à un U, voilà. Allongé, bon, joli, avec une capacité, voilà. Bon, j'en mettrai simplement ce livre-là, évidemment, le don des étoiles, des nains d'un an. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Et on se retrouvera. Et peut-être j'en reviendrai sur ce livre-là. Parce que je me le demande. J'ai pas dû faire toutes les races, je pense pas. On a peut-être fait 10. Mais il y en a tellement. Faut que je regarde parce que ça remonte déjà les anciennes vidéos de celui-là. Il y a peut-être un an ou deux, je sais plus. Ça. J'en reviendrai peut-être dessus, justement. Et ouais, il y a de grandes chances. Je vais voir. Ces deux-là, de toute façon, c'est extraordinaire. Plus le don des étoiles. Alors là, bon, là, c'est la patate. Hein. Avec des aides qui ressemblent à des films, style Prometheus. Ou Avatar, ou Nepenthe D, c'est fou. On a qui, voilà. On va essayer des races, on a tout plein. T'en as tout, voilà. Nepenthe D, ça fait. T'en as tout plein. Alors là, c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus blindé. Et puis, non, pour moi, c'est encore, un stade bien au-dessus. Hein. Parce que c'est mieux détaillé, c'est mieux, c'est guide des mondes extraterrestres. Parce que là, encyclopédie, d'accord, mais il n'y a pas tout. Hein. On est loin, très loin. Et les races extraterrestres, bon, c'est pareil, il n'y a pas tout non plus. Mais c'est toujours intéressant d'avoir. Si quand tu as les trois, bon. Si tu as les trois, c'est encore mieux. Là, franchement, puis elle, en plus, elle a sa propre histoire, ce qui est encore différent. D'accord. Voilà, allez, je coupe là. Et bon, pas très long, peut-être 20-25 minutes, c'est pas grave. Et la prochaine fois, bah, il y aura encore. Je lirai les deux dernières races avec la conclusion à la fin, parce que pour compléter, sinon, voilà, sinon ça va être un peu court. Et puis peut-être que je reviendrai sur ce livre-là, justement, je me le demande, parce que j'ai pas du tout fait. Ça m'étonnerait. Allez, je coupe, merci, à bientôt, d'ici un bon. 2 jours, ouais, pas plus, parce qu'elle est courte la vidéo. A plus, merci.